Monsieur le Président, alors il semblerait que vous ayez décidé aujourd'hui de ne pas épargner votre opposition. Vous ne m'en voudrez pas, du coup, de ne pas prendre forcément des gants. Alors, c'est étonnant comme Madame Giverny, pardon, mais j'ai été, on a eu des débats d'ailleurs extrêmement courtois. Excusez-moi, j'ai pas fini mon intervention. Je vous en prie. Des données polémiques passent systématiquement à 22 heures. Au moment où il n'y a plus de public, où la presse commence à boucler, où les élus régionaux ont juste envie d'aller se reposer après 12 heures de débat. Alors en grand moralisateur, Monsieur le Président, vous parlez d'exemplarité des élus, vous interpellez nominativement, ce qui est très impoli, ces mêmes élus d'opposition sans leur donner de possibilité de répondre, et ça je voulais vous le signifier. Alors vous concernant directement, on aurait aimé que vous appliquiez cette exemplarité à votre cabinet ou aux membres affiliés qui composent un service rattaché à la direction des assemblées. Ce service rattaché, un peu obscur, dont le militantisme présumé de tous ses membres, nous interroge sur leur réelle mission. Alors nous avons bien pris connaissance du rapport de la Cour régionale des comptes. Il semblerait que finalement le chef de service de ce service ait une rémunération exceptionnelle de 9 000 euros, soit 40% de plus que l'intégralité des chefs de service de cette collectivité. Ce qui est juste disproportionné, qu'ils nous disent les mesurés membres de la CRC, nous la considérons tout bonnement indécente. Quel est votre point de vue, Monsieur le Président ? Je vous remercie.